Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda Oracle of Ages et on commence dans Season parce qu'on a un code à aller rentrer dans Holodrome. Dans la vidéo précédente, on a fait le premier donjon, on avait rencontré un fantôme qui nous avait donné un code. Donc, on est de retour dans Season au cimetière puisque le code, il fallait le rentrer au cimetière. L'énigme du fantôme, il fallait découvrir une tombe sans fleurs, donc forcément c'était dans le cimetière. Et voilà, c'est bien en plus parce que c'est directement dans la bonne saison. Je m'étais RTP hors vidéo pour commencer la vidéo directement dans le cimetière. Donc il faut chercher une tombe où il n'y a pas de fleurs. Et voilà, c'est très facile. Non mais barre-toi toi, barre-toi. Donc, non mais cassez-vous. Putain, je te vole ton cœur. Et alors, c'est dans quel sens que je... Non, c'est celle-là. Hein. Voilà, pousser avec le bracelet. Je vais redécouvrir vraiment Aegis parce que je connais pas du tout... autant de Season, j'avais quasiment tout le jeu en tête. Autant... Aegis, pourquoi ça marche pas? C'est bien celle-là. Non, ça c'est celle-là. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais faut creuser peut-être. Ah, mais voilà, mais je sais pas pourquoi je voulais pousser la tombe moi. Ouais, Aegis, j'ai quasiment pas de souvenirs donc on va vraiment. À part le premier donjon, je me souvenais le reste. Il y a 2-3 trucs que je me souviens, mais vraiment, je pense qu'on va le refaire un peu en découverte. Donc bonjour fantôme de l'Holodrome. Et tu es dans ma chambre. Tu cherches un truc? Oui. Je cherche un cœur supplémentaire, merci. Donc on va taper le code que le fantôme de Aegis nous avait donné. Donc c'était point d'interrogation. Losange. 3. 3. M minuscule. Il est où, là? Et 3. Je me souviens plus si c'est des codes aléatoires ou si c'est toujours les mêmes codes. Ça, je sais plus. Quoi? Une intro... Quoi? Attends, une introduction pour quelqu'un de Labrina? Tu as l'air sûr de toi, alors pourquoi fais-tu ce test? Si tu réussis, j'augmenterai ta force. Veux-tu essayer? Ouais, ça va être un mini-jeu. Je me souviens ça. Je vais t'expliquer... Des copies rouges et bleues de moi vont apparaître. Fais attention, je te demanderai ensuite s'il y avait plus de rouge ou bleu. Mais là, on peut tricher du coup. On peut grave tricher sur Switch, parce qu'on a le replay. Réponds bien. Toutefois, il y a 3 tests en tout. Alors, on n'en rate aucun. Tu as compris? Oui, on a surtout compris qu'on peut faire le replay. Allez, c'est parti. On va essayer de le faire la loyale, mais si on se plante, on fera le replay. C'est parti! Oui, bah là, il y a plus de bleu, hein. Faut être débile pour pas le voir. Alors, y avait-il plus de rouge ou de bleu? Bleu. Exact. On continue. C'est parti! Là, je pense qu'il y a plus de bleu quand même. Il devait en avoir un supplémentaire, c'est tout. Pour moi, c'est du bleu. Exact, on continue. C'est parti. Je sais pas. Il y avait plus de rouge ou de bleu? Putain, je sais pas. J'ai l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas possible que ce soit la même chose parce qu'il n'y a pas ce choix-là. C'est bizarre qu'il serait codé 3 fois le bleu. On va dire rouge. Oh! Attends, replay. Replay. Ah, c'est tellement bien de tricher. Donc bleu. Ouais, bah écoutez, hein, on est en 2024, on est sur Switch, on fait le replay. Hein. C'est la fin du test, mais cela nous montre que ta vue est perçante. Ouais, la vue s'appelle le Switch Online. Comme promis, je vais te rendre plus fort. Voici un cœur. Voici un cœur entier. Mais attends, ça veut dire qu'il y en avait vraiment, genre je pense qu'il y en avait un seul de plus. C'était quasiment pareil. Hein.
Et c'est bizarre d'ailleurs qu'ils aient codé trois fois la même réponse. Je vais te dire le secret pour garder ce cœur en Labrina. Ah yes. Donc c'est plus Astérix, arrobase, le et commercial et le 4. Ok. Tu as compris? Yes. Reviens me voir si tu l'oublies. Une bonne mémoire, c'est pas comme des bons yeux. Oui, d'accord. Bah, cette phrase, elle marche plus en 2024 parce qu'aujourd'hui, on a les téléphones portables, les captures d'écran et voilà. C'est vrai que quand tu le faisais à l'époque, t'avais pas internet, t'avais pas les téléphones et. Ouais, t'avais soit un papier et un crayon, soit t'aurais une bonne mémoire. Aujourd'hui, on est devenus des gros feignants. Donc, je fais une ellipse et on se retrouve dans Edges. On est de retour dans Edges et on est avec Faror. Et on va du coup lui donner le code qu'on a pris dans le cimetière de l'Odrome avec le fantôme pour récupérer notre cœur bonus. Alors, oui. Donc, c'était plus... Mais ça, c'est pareil, c'est des codes qui sont aléatoires à chaque fois. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais pas gruger le jeu. Hein. C'est... Je sais pas combien il y a de codes au total qui sont générés. Mais je pense une bonne centaine, voire peut-être plus même. Hein. Hop. Je fais à la croix, parce que le joystick, ça me fait bider. Et on va continuer la quête principale. Tes secrets ont donné naissance à de nouveaux pouvoirs. Reviens quand tu veux. Oui, salut Faror. Vous obtenez un nouveau cœur. Donc là, c'est bien, on est bien stuffé quand même. Enfin, 6 cœurs pour le début de l'aventure dans Edges, on crache pas dessus. Hein. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu nous parles, toi? Est-ce que tu nous reparles? Parce qu'à la fin du... Du premier donjon. Elle nous disait d'aller à l'ouest, dans la forêt. J'entends une essence qui résonne dans la... Voilà, dans la forêt de l'ouest. Peux-tu y aller? Mais sois sûr de revenir. Oh non, elle est cringe, elle est cringe. Oh non, putain, je me souvenais plus qu'elle était si accro, quoi. Oh, c'est malaisant, madame. Alors... Et en vidéo, je me suis souvenu de la quête du troc, là, quand le fantôme lui disait la montre. C'est bien dans le passé, hein. Je crois que c'était la première maison qu'on visitait dans le passé, c'était le facteur. Donc, à l'ouest. À l'ouest, et du coup, maintenant, bah, on va s'équiper, du coup, parce que... Maintenant qu'on a le bracelet, ça nous offre des nouvelles voies. Non, ça c'est la tour. Je crois que c'était quoi ça? Cité symétrie? Non mais ça c'est bien plus tard ça. Non 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 ça c'est non. D'ailleurs attends c'était quoi ça? Je me souviens même plus ça. Mais ça c'est pas tout de suite ça. J'ai trop faim. Mais ça c'est la quête du troc je crois. J'ai trop faim. J'ai mal au ventre. J'ai faim. Excuse-moi. Je pensais que tu m'aiderais. J'ai faim, monsieur, stop. Vous êtes creepy. Et autant il y a des PNJ qui m'ont marqué autant, alors il y en a qui... franchement, je sais même plus. Ah, mais c'est là. C'est là. Cette musique, elle te rentre dans le cerveau. C'est comme la musique de Disney, là. Tu sais, genre les maisons de poupées, la Disney, là. Ah, celle-là, elle est... Et la première fois que tu l'entends, elle est géniale, et puis après, ça te rappelle de moi souvenir. Et donc ça, c'est le deuxième donjon. Je me souviens de certains visuels. Cette séquence-là qu'on va faire, je m'en souviens très bien. Dans mon souvenir, c'était un mauvais souvenir, mais... peut-être qu'avec les années, ça sera un bon souvenir. Voilà, c'est ça. C'est des lapins, là, ou je sais pas quoi, là. Non, enfin, c'est... Non, c'est censé être des fées. Voici notre terrain de jeu. Veux-tu jouer à cache-cache? Au secours. Si tu nous trouves toutes les trois, tu gagnes. On va se cacher. Essaie de nous trouver. Oui, oui, du coup, une sous la pierre, une vers les temps, là. Et une vers le coffre. Prêt ou pas?
viens nous chercher. Et donc là, c'est une forêt maléfique. Elles ont brain la forêt là. Mais en fait, je me demande, est-ce qu'il y avait une réelle. Est-ce qu'il y a une logique? Ou est-ce que c'est random? Je me suis toujours demandé. Alors, voilà, premier. Je crois que c'est un peu random, je crois. Paf! Il en reste encore deux. Je crois que c'est juste. Y a pas de logique, c'est genre. Oh bah. Non, j'ai de la chance. Oh là! Ça, je crois que ça m'a jamais arrivé, ça. De tomber sur la deuxième tout de suite. Tu peux trouver, mais le dernier sera le plus dur à trouver. Il n'y a pas de logique, c'est pas genre bas, haut, machin. C'est toujours en aléatoire. J'ai juste envie de faire ça. Non, au bout d'un moment, je crois que c'est... C'est juste un nombre de déplacements, je crois. Ah bah, purée. Je n'ai jamais réussi aussi vite cette ligne. Quoi? Tu nous as toutes trouvées? T'es un balèze, toi. Je crois que j'ai jamais réussi ce truc aussi vite. Tu nous as tous trouvés, ok. On ne t'embêtera plus. On va remettre la forêt en ordre. Oh, mais j'avais tellement de mauvais souvenirs sur ce truc. Quand je l'avais fait sur Game Boy. C'était super. Reviens jouer avec nous. Quand tu veux. Ah, mais attends. C'est peut-être pas celui-là qui m'a fait rage quitte à l'époque. Je crois qu'on les retrouve du coup. On les recroise plus tard dans l'aventure. C'est peut-être celui-là qui j'ai rage quitte. C'était peut-être pas celui-là qui était si difficile que ça. Et là, c'est le donjon. Mais il y a un twist, normalement. Grotte en scène, attention, chute de pierre. Ouais, on est obligé. Pour le scénario. C'était vachement... C'est vrai qu'en fait, avec le recul, Edgys, il est beaucoup plus travaillé sur le scénario que Season. Link, tu vas bien? Tu ne peux pas aller à l'intérieur. Le rocher que tu as explosé servait de soutènement à la grotte. Neru ne peut nous donner ses conseils. Toi, t'y avoir une chose dans la maison de Neru qui t'aidera. Tu devrais y aller. Ouais, ouais. Et la maison de Neru, c'est où Yempa. C'est la première maison qu'on voit juste après l'introduction. Mais c'est là qu'on a le truc, non? C'est là, je crois, qu'on récupère l'item principal du jeu, quoi, j'ai envie de dire. Elle est où ta maison? Bon, c'est le bijoutier. Là, c'est l'arbre. Comment on y retourne? Je sais plus. Enfin, j'arrive à me perdre dans des endroits qu'on a vu déjà 50 fois, tu sais. C'est par là, non? De toute façon, faut retourner vers le cimetière un peu, quoi. Si, c'est ça, c'est où on... D'ailleurs, il y a quoi? Je me suis toujours demandé, il y a des animaux qui restent en haut? Non, c'est où déjà? Si, c'est là. Il y a l'ours là qui reste. Mais c'est par là, il me parle normalement. Ah bah parfait, c'est là. Il doit y avoir une pièce secrète. J'ai senti des courants d'air venant du dessus. Oui, c'est ça. Ciao. Maintenant on a le bracelet, on peut y aller. Et voilà. Le gros item du jeu. Qu'on a d'ailleurs assez vite finalement. C'est comme dans Season. Ils ont la même structure, les deux jeux ont la même structure puisque c'est... On l'a assez vite le bâton, le sceptre des saisons. Et là c'est la harpe du coup. La harpe des âges. Je suis Neru, l'oracle des âges. On te connaît, meuf, on t'a déjà vu. Hein. Tu peux être la harpe des âges. Je ne te connais pas, mais si tu sais. Mais cette. Mince, j'ai spammé. Je sais plus ce qu'elle a dit. Cette harpe, c'est que tu es important. Tu es un héros choisi par le flux du temps. Ta venue signifie que je ne suis plus dans cette époque. Bah oui, tu t'es tépé dans le passé. À cause de Véran. J'ai caché cette harpe ici, sachant que tu viendrais. Je te confie cette harpe. En jouant des chants avec la harpe des âges, tu peux voyager à travers le temps. Je vais t'apprendre le chant des échos. Si tu joues ce chant, tu vas ouvrir les portails du temps qui se trouvent sur ce pays. Entre dans un portail du temps pour voyager à travers le temps.
dans ton voyage, tu apprendras d'autres chants qui amélioreront ta capacité à voyager dans le temps. Il y a trop de répétitions, madame. Il faut dire toujours t'entendre. S'il te plaît, héros, protège ce pays des ténèbres. Je compte sur toi, héros. C'est mignon, la petite animation de Link et Clark. C'est le chant des échos. Il peut éveiller le portail du temps. Endormi. Ouais. Ben, on va s'équiper tout de suite. Puisque comme le donjon numéro 2 s'est effondré, il faut retourner dans le passé. Et j'adore le thème de cette OST là. C'est l'OST du coup des introductions des deux jeux Oracle. J'aime beaucoup ce thème. Et c'est vrai qu'Edgys, il est très mélancolique. Il est très sérieux, il est très... Tu dois sauver Nilu. Le monde est en train de s'écrouler. Oui, mais de toute façon, toi, tu fais rien, donc... Et là, du coup, on va nous introduire la harpe. Link, c'est la harpe des âges. Tu dois pouvoir l'utiliser pour ouvrir les portails du temps. La grotte s'est écroulée dans cette époque, mais dans le passé, tu dois pouvoir y entrer. Sans deck. Et du coup, là, c'est les portails. Enfin, je crois, hein, je suis plus trop sûr de certains trucs, mais je crois que c'est ça. Les carrés comme ça, c'est les portails. Et du coup, là, on est dans le passé. Et il faut qu'on se dirige. Bah, la grotte. Qui est pas encore effondré dans le passé. Par contre, il faut que je me change parce que je vais pas arrêter de faire le chant sinon. Ouais, mais je comprends pourquoi les gens ont adoré. Ont plus tendance à préférer. Edgys. Parce qu'il est plus mélancolique. Il est plus sérieux, il est plus. De toute façon, le délire du voyage dans le temps, c'est. Ça touche plus les gens que les saisons, quoi. Mais d'ailleurs, on va en profiter, on va aller donner la montre à machin, là. Il est où? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas là. Le facteur, c'est là, non? C'est là. Ce n'est pas bon. Je dois distribuer le courrier à l'heure, mais je ne peux y arriver sans avoir l'heure. On a une montre. Oui. Oui, on te donne. Tic-tac, ça donne l'heure. Tu me donnes cette montre? Ne dis rien. Tu vas le faire, ça va? Non quoi? Ça va bien m'aider? Voilà pour toi. Je vais me remettre au boulot. Ah ouais, en fait, je me souvenais pas qu'on avait même pas le choix de leur dire non. Dans Oracle. Dans Link's Awakening, on avait le choix de dire non, de refuser la quête du troc. Mais là, ils te donnent d'office le truc, quoi. Vous obtenez du papier à lettres. À qui allez-vous écrire? On va faire à personne. Parce que ça, c'est... elle est où, cette main? Non, ça, c'est le dépressif. C'est la main des chiottes, là. Oh! Gros rubis. Une noix. La première qu'on avait plantée. Un anneau, parfait. C'est pas là, les chiottes, là? Si, c'est là, les chiottes. Papier. Alors, ça, c'est un truc... Je crois que c'est dans Majora's Mask, dans Skyward Sword... je sais plus si c'est dans un autre Zelda, mais alors ça c'est vraiment un classique. Hein. As-tu du papier? Donne-moi le papier à lettres. Dans le PQ. Prends ça. Vous avez changé le papier à lettres contre un sac qui pue. Yes. Ça pue. Alors... Là, c'est des deux trucs qu'on pouvait faire, mais par contre, il faut aller... Ah bah, non. Il faut aller en direction du... En fait, faut retourner à l'ouest. Parce que les maps sont en miroir. Enfin, pas en miroir, non, c'est les mêmes maps, mais pas assez présents. Du coup, là, bah, c'est l'équivalent de la forêt... La forêt ? Il y a un truc à faire. Hein. Les bombes d'Ambi sont très puissantes. Oui, exact. Exact. Parce que je crois que dans cette temporalité, le donjon il est bloqué. Oui, voilà, et ben, il est là. Il est bloqué. Je crois qu'il doit y avoir un trésor dans cette grotte. Mais ce rocher m'embarre à la route.
si je pouvais la faire sauter. Non, là, comment t'expliquer que tu peux pas rentrer dans le donjon? Il y a dans les bois des graines magiques et une statue chouette. Quand les graines sont placées sur la statue, elles bougent. Au début, ça me faisait peur. Maintenant, je trouve ça drôle. Mais je ne dois pas aller dans les bois, alors ne le dis pas aux adultes. Toi, tu dis quoi, toi? Que voulait la reine? Graine, puzzle, graine énigme? C'est un mystère. Tu veux ce que Ambi désire? Tu ne dois pas aller plus loin. Il y a des orbes de... Il y a des orbes de monstres. Mmh. Non mais attends, déjà là il y avait quoi? Je ne sais plus. Alors on peut y aller. Mais ça c'était un... Ah non. Je me souviens plus. Non mais ça c'est des rubis, non? Je vais mourir là. Attends, ça, on peut le péter ça? Ah mais non mais il faut genre les bombes, non? Ouais non on peut pas. Mais il y a deux entrées à ce truc qu'on peut pas passer sinon. Mais c'est trop, on peut pas le faire, je me rappelle plus de ce truc. Bah si c'est là. Mais on a pas la plume. Avec la colorimétrie de... Ah! Qu'est-ce que tu dis toi? Plante, les graines. C'est un secret à la mode chez les pestes mojo. Tu veux entendre le reste? Ah, c'est un code. C'est un code pour Holodrome. Tu t'en souviendras? Oui. La peste mojo à l'ouest de la cité engloutie en Holodrome aime ce secret. Moi aussi, tu devrais aller la voir. Je crois qu'en fait, à chaque fois qu'on va commencer les vidéos, on va commencer à Holodrome. Non, mais stop! Bon. Alors dégage. Non, mais arrêtez de spammer le message. Non. Oui. Attends, mais... Alors, je sais plus. Oui, c'est là les graines, mais comment on y va? Ah bah oui, j'ai pas vu. Attends, mes yeux, c'était pas posé dessus. Ça s'était fondu dans le décor, je l'avais même pas vu. Mais là, on peut avoir le truc. Elle me dit quoi, la peste, là? Achète un truc, un écu pour... Non, on a. Attends. D'ailleurs, le bouclier, je crois qu'on l'a... Parce qu'on en pertilié, on l'a eu dès le début. Mais on l'a pas dès le début, normalement. 30 rubis, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Ah non, c'est pas la même gante. Tiens, je suis vraiment tombée, là, vraiment. Mais ouais, ça serait super cool, hein, de les avoir en... En remake HD. Ah ben, parfait. Je voulais même pas aller là. Les graines mystères, leur effet est un mystère. Essayez-les partout. Ouvrez votre poche à graines pour les utiliser. Hop. N'oublie pas de me nourrir de graines mystères. D'accord. Et de l'autre côté, c'est pour aller où? Ah, mais c'est pour revenir du coup. Non! Puis ouais, j'aime pas ces... Non, mais ça, c'est punitif comme ennemi. Ils te foncent dessus, tu peux même pas les esquiver. Bah, attends, faut pas cracher sur un cœur parce que là. Pas beaucoup de cœur. J'ai 6 cœurs, mais j'arrive quand même à mourir quoi. Oh là là, ah non non non, j'aime pas ça. Mais non, mais ça sent... Non, ils sont insupportables. J'achète un truc... Non, j'ai plus de... Non, je veux pas acheter de d'accord. Non. Toujours pas. Ah oui, super, c'est un cul-de-sac. Je viens de me bouffer deux cœurs pour rien. Allez, on va mourir. Ouais, voilà. C'était sûr.
On continue. T'as heureusement que ça sauvegarde le dernier lieu visité. Putain, mais je vais reparler de mémoire. Hein. Non, mais c'était sûr. Alors. Non. Replay. Non. Bon, tant pis. Ça bug. Des fois, les gâchettes du comment du contrôleur pro, ça bug. Hein. Non, mais attends. C'est mal paramétré, ça. Tu peux pas les... T'es obligé de prendre un hit, s'il te plaît. Par contre, c'est abusé le nombre de cœurs que ça enlève, ces ennemis. Franchement. Là, il y avait le cœur. Il y en a plus, ça respawn pas. Putain, c'est abusé. C'est abusé. Bon, on va creuser. Hein. Un cœur, s'il vous plaît. Non, des graines qu'on... Ah. Oh, le bâtard. Oh le bâtard, j'avais enlevé la pierre, j'avais même pas vu qu'il pouvait me toucher du coup. C'est bon, déjà on a plus de bruit. Heureusement qu'on a la pelle. Hein. Ah oui, c'est scripté là. Voici les graines mystères que la reine Ambi a demandé. Bon travail, je vais te mener au palais. Pas mal. Tu les as trouvées? Bien. Je vais te mener à la reine Ambi. On est escorté par la garde royale. Reine Ambi, il dit qu'il veut vous offrir un cadeau. Il amène les graines mystères que vous désirez. Que m'as-tu amené? Graines mystères. Niru aime les graines mystères plus que tout. Elle sera très heureuse. Quel est ton nom, garçon? Link. Voici ta récompense, Link. Approche-toi. Mais elle est corrompue, elle aussi, non? Je me rappelle plus. Elle est pas... parce que comme Niru est corrompue, parce qu'en fait, en gros, dans Niru, c'est l'esprit de Beran. Et je crois qu'elle a... Elle a corrompu aussi la reine, je crois. Link, voici ta récompense pour te remercier. C'est les bombes, normalement. Oui, voilà. Vous obtenez 10 bombes. Mon palais est très grand. Tu vas t'y perdre tout seul. Je vais te guider. Allons-y, gamin. Ce garçon va-t-il pouvoir revenir? Oui, votre majesté. C'est sympa qu'ils aient gardé l'OST un peu angoissante qu'on avait déjà dans League of Legends. Chaque fois qu'il y a un petit twist du scénario avec Veran, finalement. Link, ah, tu as bien fait. D'abord, tu me fais passer la barrière. Ensuite, tu m'amènes des graines mystères. Tu es génial. Se servir de la gentillesse des gens est trop facile. Voilà qui remet en cause mes ambitions. Mais ces graines mystères me gênent. Leur vue, leur odeur. Reine Ambi, avec mes pouvoirs, le cours du temps est à tes ordres. Pour toi, je vais créer un jour sans fin. Pour que les gens ne dorment jamais et travaillent en permanence dans la tour. C'est vrai qu'elle veut construire sa tour, oui. Quand la tour touchera le ciel, tu seras la reine la plus célèbre. Oh, on m'appelle la grande reine Niru, oracle des âges. Accorde-moi un jour sans fin pour que le peuple puisse travailler sans relâche. Jeunes et vieux pourront achever ma grande œuvre. Mais oui, elles sont toutes les deux corrompues. Enfin, je sais pas si c'est... Non, mais je crois que la reine Ambi, elle est corrompue, ouais. Hé. Nous sommes proches de l'âge des ombres. Les ténèbres s'abattront quand la tour noire touchera les cieux. Je pourrai alors monter à son sommet. Alors il sera l'heure. Bah oui. Mais qui parle là? C'est la reine Ambi ou c'est Niru? Parce que je crois que c'était ça le scénario au début. C'était la reine Ambi, elle avait été aussi possédée par... Non, elle était sous l'emprise de Niru. Et Niru, comme elle est corrompue par Veran, elle a de la mauvaise influence sur elle, je crois. Tout comme ça, je crois. Bon travail.
Gambi est satisfaite. Tu peux y aller. Ouais, eux, ils s'en foutent parce que... Parce que c'est pas les ouvriers. Mais d'ailleurs, attends. Si on retourne à la tour noire, là, ils ont dû changer de dialogue, les ouvriers. Parce que là, du coup, ils ont plus de pause. Elle les fait travailler non-stop. Ils vont dire quoi, alors? C'est quoi leur dialogue? Je m'en rappelle plus. Reconstruire... Non, alors lui, non. Il n'y a pas changé de dialogue. Mais je crois qu'ils sont de plus en plus excédés parce que là, elle les fait travailler sans relâche. Ça ne ressemble pas à la reine Ambi de nous traiter comme ça. Oui, et donc elle est corrompue. On n'a même plus le temps de dormir. Est-ce que leur dialogue, il change? La reine Ambi changeait, elle n'était pas cruelle. Mais elle nous demande l'impossible, je n'ai rien dit. Non, parce que en plus ils sont surveillés par les gardes. Ouais, donc en gros là on t'explique que c'est encore plus des esclaves, ça l'était déjà avant. Mais là ils en peuvent plus, quoi. Oh! Viens là. Viens là, attends, je prépare mon truc. Non! Non! Je l'ai loupé. Non mais, je vais la louper. Ah non, c'est bon. Alors un anneau, mais il est trop mal placé, donc laisse tomber. Par contre, je vais choper les bombes. Ouais. Que fais-tu ici? On se connaît déjà, meuf. Enfin, on s'est vu dans Holodrome, d'ailleurs. Hop, tiens, des bombes. Des rubis. Et là, je peux pas l'avoir. Ah si, je peux l'avoir. Il y a plus rien, meuf. Ah non, il y avait un cœur, j'ai pas vu. T'es bien boulé. J'en ai plus que toi. À bientôt. Oui, salut. Allez. Au revoir. Merci, au revoir. Là, faudra la plume. Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu dis, toi? As-tu trouvé ce qu'Ambi désire? Oui, on lui a amené. Mais en fait, ce PNJ, tu sais, ils l'ont foutu dans l'angle, histoire de compléter un peu les espaces vides, quoi. Et du coup, bah là, maintenant, on peut aller au deuxième donjon. Qui est où? Je sais jamais où il est. Là. Ouais, c'est bien cru. Ah bah alors, pour l'instant, je peux pas... Ah mais elle m'a volé mes... Tain, j'ai plus de graines. Tain, la bitch. Bon, vu qu'elle volait tout. Niveau 2, donjon, elle. Et bah, je crois qu'on s'arrête ici. On s'arrête ici pour cette vidéo. On ira faire le deuxième donjon dans la prochaine vidéo dans quelques jours. Merci à tous d'avoir suivi. À bientôt pour la suite. Salut!